pas de colonisation, mais on a un sujet qui intéresse le peuple à nous, et il faut nous parler de tout. À chaque conférence, c'est la question de sécurité qui a besoin, mais malheureusement, il y a plus de climat et sécurité. Dans toute conférence, nous faisons la peine de ceci, depuis septembre, de nous passer à Goa, de répéter que l'insécurité a ses bandits d'État. Semaine ça, nous voyons encore une fois bandits d'État. Côté que, premièrement, port de paix, ça m'a montré. Alors, on dit, ça m'a montré port de paix, c'est tiré cela. Son petit bâti. Il y a plus d'âmes qui m'ont trouvé. Et heureusement, il y a une qui ça. Et malgré aucun bel, par exemple, qui a mis là, il y a qui. Mais si nous basons, nous, comme on a parlé, nous basons sur le rapport. Si nous basons sur le rapport de CPJA, le CPJA dit clairement dans le rapport là, les âmes ça ont été dessinées avec autorité. Comment on comprend une situation comme ça? Toutes les âmes ça. Environ 130 000 cartouches. Toutes fusillés à sous ça. Les CPJ disent non rapport. Et pourtant, des tergiversations faites. Pour rejoindre l'autorité, il y a passé à côté. C'est parce que l'État, il est rentré dans la question de commander des armes pour les bandits, alors qu'il n'y a pas qu'à commander des armes pour la police. Mais pour qui ça nous met en peine? Le Premier ministre a dit que la sécurité est un détail. Je vous ai dit que nous ne pouvons pas s'y. Parce que s'il dit ça, c'est qu'il a géré la sécurité avec Bandi. Ça, c'est un exemple, question de bord de mer. Et vous avez essayé de casser les feuilles pour ça, pour que vous coulez les bagages là, et puis l'autre bateau continue à porter ça. Donc, nous avons côté pour voir la situation. Deuxième bagage, les armes qui ont rentré, vous avez dit que les épiscopales, justement, l'église a dit qu'ils utilisaient non. Mais qui est-ce? Côté des âmes de la vallée. Le 10 âmes de la vallée, c'est le côté de la vallée. Pour qui est-ce qui est? Pour qui est précieux? Il a essayé encore de couvrir ça. Et tout le monde connaît, je dis à 9 mm, l'autorus. Si je dis à l'albagé 14, il n'y a pas rien. Et l'État a compté ça tout. Et puis, il continue à alimenter. Dans l'année ça, de septembre à nos jours, il y a 10 fois que je viens de Zama. 10 fois. Que ce soit dans le port de Saint-Marc, le port de Paix, le port au Prince, au Cap. Eh bien, combien vous y arrivez? Côté Zama. Donc, ça veut dire que maintenant, quelle situation nous y est, peut-être ça, tout le monde peut comprendre de nous parler de banditisme d'État. Et c'est ça, peine de dénoncer. Nous disons que son banditisme d'État, il faut. L'État coupé fâché avec bandit, on ne peut pas mettre ça. Et ça fait nous un climat ça. Et ça fait le peuple à réfléchir. Il faut nous dire, mais pour qui ça nous a l'État ça? C'est justement le monde qui a gouverné, qui a associé avec bandit. Je vais vous donner un autre exemple. Regardez dans la Tibonie. Nous te dit, dans peine, il faut qu'il y ait une opération anti-gang qui fait. Nous présentons des plans dans peine. Nous écrivons le premier ministre Ariel, il dit que les plans parlent. On est la Tibonie, qui est un bandit qui est dans la voie police. Opération faite, où j'aime donner de bandits ça encore. Parce que là, opération faite, heureusement, la police a arrivé à faire opération éclair sans par avertir l'autorité et puis éliminer. Je ne vais pas avertir bandit. Nous avons une opération faite hier soir, dans la zone Tibois, pour abri gros monde. Madame, Tibadome. Nous avons un bandit au courrier qui était de la police délivrée. Parce que ça, ni dans le gouvernement, ni dans l'autre monde, il n'y a pas au courant, il n'y a pas qu'à l'avertir bandit. Nous connaissons que le recommandé directeur général là, voyons blindé dans le cafou pays, ouvert commissariat. Eh bien, il y a fait la population parée pour la demande. C'est justement la question ça qui montre que dans la situation, il y a le cas résoudre, mais l'homme au gouvernement qui mettait. Pour faire ça, moi, qui a l'information, on va le faire, l'opération, on va le faire, le monde est au courant. Ou bien dans la police, il y a des gens qui sont infiltrés. Là, pour que les bagages ça, n'importe qui ça, il y a des gens qui dit nous bouquer à les bagages ça. Et que, justement, il y a des gens qui veulent l'élection là-dedans,
Parce que Dieu voulait faire nos bouquets pour que nous acceptions n'importe qui bagaille. Et nous allons prendre. Et peut-être ça nous peine nous dit. Question qu'à résoudre. Question qu'à résoudre. Parce que les bandits ont couru dans le petit bois d'homme. Ils ont monté sur la route avec fusil. Ils n'ont pas bien armé que la police. Mais la police voulait, ils ont fait. Donc ça a fait tout. Ils n'ont pas occupé le monde qui a dit. Justement, il y a des zones, il y a des bandits, il y a des zones qui ont fait l'élection. Ils voulaient utiliser les bandits pour l'élection. Et c'est peut-être ça nous peine nous dit. Mobilisation que nous avons lancée. Nous accueillons favorablement appel justement ma considération, c'est l'appel Kato qui dit Montana a arrivé. Quand nous venons sous béton, nous venons une peine sous béton pour nous travailler ensemble. Nous accueillons appel en pilote groupe qui a fini parce que je dis à ce peuple seul qui a fait pression. Nous, les Américains, besoin de terroristes qui mettent en pile propre de l'éliminer. Nous-mêmes, il y a des gens qui ont. Protocole d'entente nationale la paix. Edouard. A remercier tout le monde qui est présent ce matin à la conférence que nous, dirigeants Pagnon, à Bâle. C'est une conférence qui va parler de la situation globale du pays. Et qui côté nous sortit, qui côté nous est aujourd'hui. Et tout ça que nous faisons en tant que citoyens responsables, mais aussi en tant que responsables de partis politiques, responsables d'organisations, nous, chaque jour, nous regardons comment le pays a rentré dans le trou avec toute population haïtienne. Je dis, c'est important pour nous parler avec la population. Et nous profiter de saluer toute la population haïtienne hein, et qui a besoin des conférences. Nous très conscients de la situation haïtienne. Ce n'est pas pour rien que nous-mêmes, on interpelle. Nous avons gardé effectivement, nous songer à faire apport en septembre. Nous avons réussi à nous aller pour aller. Orientation, dans le sens changer. Vie population. Et nous avons dit que nous-mêmes, quand nous regardons, nous baillons autant, nous regardons qui ça a fait. Un an passé. Un an. Bien sûr, à un moment donné, pour la consommation internationale, chef gouvernement dit qu'il voulait faire négociation. Nous-mêmes, nous sommes toujours à travail auprès de la population. Nous venons au consensus avec Montana. Le chef gouvernement dit que il voulait faire négociation pour que nous arrivions à quelque chose. Tout le monde connaît la position de peine. Je dis à la besoin de dire, nous croyons que même les je dis à toute institution démocratique, toute institution républicaine, nous crasons le pays. Nous n'avons pas de parlement, nous n'avons pas de justice, pas de présidence, pas de rien. Mais nous disons qu'il faut que nous avec l'esprit constitution. Et ça, c'est important. Parce que nous sommes loin de nous arriver là aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables d'un revers demain et puis dire, nous parlons de l'international international là qui prend nous comme des rats de laboratoire. Et puis, ils ont décidé, ils ont voulu mettre un gouvernement grand soulier. On a dit que ça ne va pas résoudre. Et je dis, nous tous constatons, au lieu que ça va résultat, nous plonger le pays à nous, que nous ne pouvons jamais, que nous ne jamais prendre dans le pays d'Haïti. Quand ils ont multiplié dans tous les cas de ce pays, ils ont kidnappé les femmes, ils ont kidnappé les petits mounes, ils ont kidnappé les pères de l'église, ils ont kidnappé les pasteurs. Donc, affaire de moralité, presque la désarmée. Mais malheureusement, nous avons passé tout ça au gouvernement qui n'a jamais dit non, nous n'avons pas jamais dit, nous n'avons pas dit cric. Mais dans quelle situation le pays est arrivé aujourd'hui? Massacre, grand-pour, chômage. Nous-mêmes, nous peine. Nous sommes des responsables. Et nous prenons responsabilité. Nous disons que nous sommes des démocrates. Comme Dr. Ariel Henry, chef gouvernement, dit que lui voulait faire une négociation. Il fait un paquet aller tourner. Caille, Madame Komodeni. Nous avons déjà monté nous-mêmes
commission de négociation, ils ont monté la commission de négociation, ça n'est pas eux. Mais tout le monde est en commission pour monter. Nous comprenons ce qu'on va faire à l'autre côté. Mais nous devons monter bonne foi. Malgré nous-mêmes, nous assurons que nous mettons deux biens dans la tête. Nous sommes des démocrates. Nous disons, regardez, juste côté à privé, est-ce que c'est vrai? Mais nous aimons votre béton. Nous te disons nous-mêmes, nous croyons dans la mobilisation, nous poursuivons la mobilisation. Et nous tous, nous conscients que, ouais, que nous allons aller dans Naïve, dans les Hinches, nous allons dans les Cailles, ensuite aller dans le Nord. Et nous disons que nous rassemblons les forces, ça fait que nous disons, quel que soit côté mobilisation après, depuis son mobilisation pacifique, nous avons et nous demandons tout le monde peigne. Partisans, sympathisants, peignons, côté aux mobilisations à faire, répondre présent. Parce que nous sommes des démocrates, nous croyons que le pays ne va pas continuer à l'établir. Donc, je dis, c'est ça qui fait que nous relais nous, pour nous dire nous, qui côté nous y est, la population a besoin de connaître, qui côté peine. Nous sommes toujours dans la mobilisation, nous, et c'est ça qui fait que nous sommes initiés, nous avons lancé la mobilisation, nous avons dit, nous avons fait un appel. Citoyens, citoyens conséquents, je dis, nous n'avons pas de droit pour quitter la population, pour porter dans sa là. Mais je dis, nous connaissons que, pas que nous-mêmes, nous sommes toujours quoi, mais nous devons tester bonne foi pour voir ça. Négociation, nous n'avons pas de côté, nous même encore, nous mettons fait à la négociation. C'est eux qui campent. Mais nous, ils font tout. Nous comprenons que nous campons parce que nous n'avons jamais de volonté, nous n'avons jamais de volonté. C'est des gens qui campent. Essayez d'être des têtes. Il n'y a pas à l'écoute de problèmes de situation. Pour le gouvernement, ça, pour le Premier ministre, tout est beau, tout le bagage en place, tout le bagage correct. Pas de problème pour nous. Pas d'insécurité. Peut-être qu'il y a des toits qui tirent quelque part, mais ce n'est pas grave. Parce qu'il y a un boulevard devant eux. Pas de mission. Qui connaît pour qui le gouvernement ça là? Personne, hein? Qui est-ce qui a contrôlé les dépenses de l'État de ce gouvernement? Personne. Pas mon monde qui a dit, mais est-ce qu'il y a un budget? Comment est-ce que le budget est respecté? Comment ça fait? On ne connaît pas. Qui paye qui a fonctionné comme ça? Bien sûr, si la communauté internationale a accepté la condition, c'est parce qu'il y a des bagages qui ont besoin de prendre un pays que vous connaissez. C'est qu'on sait, sont prêts à leur livrer le pays pour une bagatelle. C'est ça la problématique aujourd'hui. Et nous autres, comme haïtiens, comme responsables, nous ne pouvons pas tolérer ça. Donc, conférence de presse, ça, bien sûr que nous avons fait en protection. Et vous allez gagner tout de suite, camarade Serge Jean-Louis, qui même va nous parler autour de la mobilisation que Pente est déjà lancée, qu'elle est initiée, qu'elle est souterraine déjà, autour de la poursuite de cette mobilisation. Et appelle probablement pour tout votre secteur rentrer dans l'an et que pour nous avancer ensemble, pour nous sortir du pays à nos alliés. Et bien sûr, nous allons gagner président sénateur Yuri Latortue, qui lui-même va parler nous autour de la problématique de sécurité, que lui-même qui sont experts en sécurité, qui va nous des chiffres et des problèmes. Bien sûr, il y a des bagages que tu n'as jamais parlé là. Le problème que nous avons à faire, ça m'a fait rentrer dans le pays. À la dernière conférence, on a demandé côté ZAM, ça nous fait avec nous. Parce que sous prétexte que l'armée pas des armes, la police pas des armes, tout ZAM, ça nous fait encore. Je repose encore cette question. Qui ça nous fait, qui ça nous fait avec nous? Est-ce que nous pouvons pas utiliser pour la population? Merci beaucoup, camarade. Merci. Et on est salutation d'usage pour nous faire lire parce que nous sommes une personne élevée dans la boue. Je salue tous les 100 000 camarades qui sont dans la presse là. Je salue les peuples haïtiens qui ont une tribulation. Il y a des années là-dedans. Mais depuis l'exécutif monocéphale là, monté, dirigé par le Premier ministre Ariel Henry, composé, son gouvernement composé de 14 ministres, quelques secrétaires d'État, situation a empiré.
saluer la communauté haïtienne qui vit à l'étranger. Ils codent l'ombre, ils sont toujours mariés avec les haïtiens. Dieu seul sait. Ce n'est pas un rôle déterminant la communauté internationale qui a joué dans vous. Si l'argent va nous, quoi que la population t'approuve, si c'est l'État d'attendre. Manifester solidarité, oui, coquetchen, condoléances, par famille qui est victime, par insécurité, d'État, insécurité généralisée, hein, qui en général est toujours assimilée à une forme de terrorisme d'État. Donc, vous voyez, de solidarité, par Moun Latibonite, qui, c'est même qui saute passé là, pour la vie qui fait 3 heures de temps. Et puis ça a tombé, eh bien, une bonne partie de la Tibonite de la Cléidonie, notamment la Caïmoué Machin de Salé. Pendant de nos périodes mois d'août, il y a une inondation, mais rassurez-vous, les continue à vendre. Elle m'a parlé, on qui compte question ça, pendant la jeunesse, oui, David, nous devons qu'on travaille la tête. Ça, c'est là, il a acheté un prix à cher, et je dis à. Inondation passée. Au niveau de la Tibonite, je vais dire quoi dire. Ça qui est grave là, pas qu'on vice-délégué, pas qu'on délégué départemental, pas qu'on membre du gouvernement qui se manifeste solidarité avec la Tibonite. Je vais vous remercier un spécial par différents représentants de l'organisation signataire des peines dans le cadre d'une convocation spéciale. Nous avons fait le 1er août, là, dans l'Assemblée générale, ici, hein, près de 60 de représentants qui ont participé dans la dernière assemblée. Hein, et qui n'étaient pas au loup, Marie, les gens qui sont là, ils vont parler là, sénateur, ils vont parler là, ils font partie des recommandations. Nous allons être là. Première recommandation, ils ont dit, maintenant, faites pour renouveler. Position sous question exécutif bicéphale là non pas plaisir les sous et dans le débat il y a un argument solide. Il dit qui ton président a de facto constitutionnel, il y a une prérogative qu'il y a, c'est convoquer le peuple en ses commises dans le cadre de l'organisation des élections libres et démocratiques. C'est pas président, pas aucune autorité qui a convoqué le peuple pour aller à l'élection. Donc, mon exécutif monocéphale n'a pas fait ça. L'autre recommandation, je dis, c'est pour maintenant marcher contre avec différents acteurs qui sont en train de compte. Mobilisation, ils sont bagarrés indispensables. Résoudre ensemble des problèmes, notamment la gouvernance pays. Il faut marcher contre tout ça. Et puis, maintenant, faites-nous couler avec tout le monde pour nous reconstituer nation avec elle-même à travers une nouvelle gouvernance. Alors, au pays où Haïti, nous toujours répétons, dans un pays, ça a fonctionné là. Où te dois-je jouer de